C'est normal qu'on pose cette question en France, puisque la France n'est plus une démocratie. Bon. En 2005... Pardon ? Ben non, la France n'est plus une démocratie. Là, on fait tous semblant. On fait semblant. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Dans les faits, et je vous dire, il y a deux choses qui permettent de dire, en fait, on est dans un monde d'illusions, là. Ouais. On est dans une comédie, on fait du théâtre. On met en question la démocratie américaine, pas de répondre, qui renaît, et on fait comme si nous, on était des démocrates. Mais en 2005, les Français ont voté non... à un référendum, la classe politique s'est assise sur ce nom. Et là, on est dans une élection présidentielle où il y a des types qui s'agitent dans des primaires de la droite, de la gauche. On fait comme si on avait des élections normales, on va élire un président. Mais en fait, la France n'a plus d'autonomie monétaire. Et c'est l'Allemagne qui va décider. Donc, la démocratie française, c'est pas la démocratie française. C'est un système qui permet d'élire, qui va nous permettre d'élire notre représentant à Berlin. Donc on est vraiment des gros rigolos quand on met Trump en question. À Bruxelles.